salut Nico. Hey, salut Caro, ça va? Nico, j'ai une super idée. Alors, on t'a pas prévenu, hein. Mais en fait, pour moi, les vidéos, c'est terminé. J'ai pris ma retraite. Eh oui. Ça fait des mois que les salons du livre nous manquent. Est-ce qu'on ne demanderait pas aux auteurs de nous raconter le souvenir marquant d'un salon du livre? Alors, par contre, c'est vrai que là, pour le coup, l'idée est pas mal. Ouais, bah, je pense qu'on va le faire. Nico? Team Caro Nico? Team Caro Nico! Alors, mon souvenir le plus marquant dans un salon du livre, c'était mon premier Qui lit Polar, qui était en fait mon premier festival, mon premier salon, après la sortie de Bloc 46, donc c'était Qui lit Polar en 2016. Et tout d'abord, bon, bah, c'était, c'est bon, j'avais l'impression d'être à Hollywood, quoi. J'arrive, enfin, je vois mon nom parmi les grands, il y avait une queue, un stand à côté du mien, et puis je réalise qu'en fait c'était à mon stand, alors je... Et en fait, ce qui m'a énormément touchée, c'est les rencontres avec les lecteurs. Je débarquais dans ce métier-là, j'avais pas réalisé qu'il y aurait des rencontres aussi touchantes. Et en fait, lors de ce premier Qui lit Polar, j'ai pu rencontrer ma toute première lectrice, celle qui a découvert Bloc 46, qui s'appelle Émilie Bûcheron. Et Émilie, eh bien, notre rencontre, qui s'appelle donc tout comme mon personnage, Émilie Roy, et notre rencontre a été, ça a été un de ces moments très chargés émotionnellement, c'est-à-dire qu'on s'est vus et qu'on s'est toutes les deux, enfin, elle s'est mise à pleurer, je me suis mise à pleurer, on s'est serré dans les bras comme si on était deux amis perdus de vue et qui se retrouvaient. Et en fait, je crois qu'on s'est trouvés au fil des pages de Bloc 46. Voilà, je crois que l'histoire l'a fait vibrer et que aussi, voilà, on s'est trouvé, on s'est retrouvé, et puis voilà, ça a créé ce moment extraordinaire à Qui lit Polar. Alors il y a plein de grands salons du livre, et de très nombreux plus petits, mais très sympas également. Moi qui habite près de Brive-la-Gaillarde, j'ai la chance d'avoir l'un d'eux organisé à deux pas de chez moi par la ville de Brive et ses libraires, et qui chaque année est un événement très attendu. Et déjà, en tant que lecteur, j'ai l'habitude de m'y rendre pour y rencontrer donc mes auteurs favoris et en découvrir d'autres. Et presque chaque année, j'ai aussi le plaisir d'y retrouver Franck Tillet, qui est un pote ch'ti depuis pas mal de temps. Et alors, imaginez, en 2013, lors de la sortie de mon premier thriller, lorsque j'ai été invité à la foire du livre de Brive, parce que bon, ils l'appellent comme ça ici, cherchez pas, hein, dans le sud-ouest, toutes les fêtes sont des foires, les foires grasses, les foires à bestiaux, les foires de la truffe, même la Ducasse, ils appellent ça les foires franches. En tout cas, quand j'ai été invité donc pour la première fois à ce salon de Brive, j'étais aux anges. Et lors de ce salon, j'ai eu donc l'occasion pour une fois de passer de l'autre côté de la table et de rejoindre Franck afin de prendre une photo souvenir où lui tient mon livre et je tiens le sien. Et pour moi, ça reste un moment très, très fort, marquant. Voilà, sur la photo, je dois avoir l'air d'être heureux comme un gamin, quoi. Et en tout cas, un très bon moment que j'ai passé là-bas. Et voilà, en fait, c'était... J'aurais pu parler d'autres moments aussi qui sont assez forts et que j'ai vécu lors d'autres salons, des rencontres avec d'autres auteurs, des tas de lecteurs aussi très intéressants et des moments magiques comme ça qu'on ne peut vivre que lors de salons ou de rencontres en librairie. Mais voilà, c'est ce côté magique qui nous manque actuellement. Mais je suis sûr que ça reviendra très très vite et que le naturel reviendra au galop. Quand Caro m'a demandé de raconter une anecdote de dédicace, j'ai tout de suite pensé à cette histoire qui m'est arrivée il y a quelques années à la fête du livre de Saint-Étienne. Je suis derrière mon stand, et là un homme s'approche de moi et me dit
Écoutez, je suis très intéressée par vos romans. J'aime beaucoup ce que vous faites et j'aimerais porter vos histoires au cinéma. Moi, je suis producteur et voilà, je cherche comme ça des scénarios, des histoires à adapter à l'écran. Je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour acheter les droits de votre roman. Alors là, je le regarde complètement stupéfaite. Je suis complètement surprise par ce qu'il me demande, par ce qu'il me dit. Et il rajoute, et en plus je sais que votre personnage principal est une femme, donc ce qui sera encore mieux, c'est que vous interprétiez ce rôle-là. C'est-à-dire que vous jouiez dans le film. Donc là, je suis de plus en plus surprise. Je suis même un peu méfiante. Je sais pas, je décèle quelque chose d'étrange. Enfin, voilà, un sentiment bizarre. Et là, je lui pose une question. Je n'ose même pas lui la poser parce qu'elle est tellement absurde. Mais tant pis, je me dis, faut que tu la poses quand même parce qu'il y a un truc qui te chiffonne. Là, je lui demande... Mais est-ce que vous avez lu mon livre ? Et là, il me regarde, et vous n'imaginerez jamais la réponse qu'il me fait. Il me dit non. Au salon du Havre, un salon du polar du Havre, qui s'appelle Polar à la plage, il y a quelques années. C'est un super salon, il y a une très bonne ambiance. Et sur ce salon, j'ai vécu une expérience assez désagréable. Je vois une femme arriver et venir directement sur moi. Et je la connais pas, je l'ai jamais vue. Je lui dis bonjour, elle prend un livre, elle prend « J'attraperai ta mort », elle le retourne, et au dos, il est dit que c'est une l'histoire d'un Arsène Lupin des temps modernes. En fait, elle lit ça, elle le repose tout de suite, elle dit « Ah oui, d'accord, Arsène Lupin, oui, alors vous inventez rien, quoi. » Je réagis, enfin, je lui dis « Bah non, mais c'est juste un clin d'œil. » Elle me dit « Oui, oui, non, mais enfin, c'est quand même ce que vous dites sur la quatrième de couverture. » Donc, non mais bref, vous faites quoi d'autre ? Et elle en prend un autre. Elle prend « Ce qu'il nous faut, c'est un mort », qui parle d'une usine qui est sur le point de fermer. Elle commence à lire la quatrième de couverture, elle me dit « et voilà, une usine qui ferme, le chômage, c'est bien ce que je pensais, vous n'inventez rien, je vous l'ai dit avec votre livre précédent ». Et elle en prend un autre, je sais plus lequel, là, bon, il n'y avait pas mort dans le titre, parce que il n'y a pas le mot mort dans tous mes romans. Et elle prend un autre bouquin et rebelote en lisant la quatrième de couverture. Elle commence vraiment à ne plus en pouvoir de moi, quoi. À me dire « Non, mais vous êtes un imposteur. Pour moi, monsieur, un romancier, c'est quelqu'un qui invente des histoires. Vous êtes là, vous tirez sur des ficelles qu'on vous tend, vous exploitez des filons, vous n'avez rien, vous n'avez aucune imagination. C'est pas ça, un romancier, pour moi, c'est pas ça le talent, etc. » Elle me fait... Elle m'ensevelit, quoi. Et en fait, là, c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'ai fini par lui reprendre le bouquin des mains en lui disant « Maintenant, vous dégagez, quoi. » Et c'est ce qu'elle a fini par faire. Mais ça a été long, quand même. Il s'est peut-être passé au moins 10 minutes. C'est très long, quand même, 10 minutes de quelqu'un qui est face à vous en train de vous dire que vous n'êtes rien et que vous êtes un imposteur et que c'est vraiment pas bien ce que vous faites, alors qu'elle vous connaît pas. Je la regarde partir. Elle va voir un autre auteur 10 mètres plus loin. Je me dis, elle va faire le même coup. Et pas du tout. Je la vois discuter avec un type. Puis au final, je la vois partir. Et je me dis, non, c'est vraiment après moi qu'elle en avait, quoi. Je suis vraiment interloqué. Ça, c'était le samedi. Le dimanche, je vois la femme réapparaître sur le salon. Et alors là... Je crains qu'elle revienne me voir. Je crains la deuxième couche. Et elle vient me voir. Et elle s'exprime comme si elle m'avait jamais vu de la vie. Elle me dit « Bonjour, alors vous, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous écrivez ?» Elle prend un bouquin en main. Et là, elle trouve ça intéressant. Voilà, une schizophrène. J'ai réalisé, j'ai compris, là... deuxième jour que donc tout ce qu'elle m'avait dit la veille n'avait aucun sens, enfin en tout cas ce qu'elle me disait maintenant n'avait pas plus de sens que ce qu'elle m'avait dit la veille, et ça m'a un peu dans un sens ça m'a rassuré, voilà, et dans un autre sens ça m'a un peu terrifié de voir ça de si près, enfin on sait que ça existe, mais et moi donc j'ai vécu ce truc là c'était sur un salon. C'est pas l'expérience ouais, la plus agréable. Bon, mais voilà, c'est la vie. Et vivement que les salons reprennent pour qu'on puisse revivre
moment aussi tendre et savoureux. Et puis là, d'un coup, je vois arriver une dame un peu essoufflée là dans la boutique et qui a l'air un peu stressée. Voilà, donc bah, je lui dis, bah, je vous en prie, installez-vous, prenez le siège, etc., posez-vous. Et là, elle me dit, oui, mais alors vraiment, très rapidement, parce que je viens de faire 2 heures de route et j'ai encore 2 heures de route à faire après, donc j'ai vraiment que 5 minutes. Alors moi, je m'intrigue, je me dis, ah bon, vous avez fait 2 heures de route parce que vous avez un rendez-vous professionnel, une amie à voir. Elle fait, non, j'ai fait 2 heures de route pour venir vous voir, madame, parce que j'adore votre livre et je voulais avoir une signature de vous. Et donc là, il faut que je rentre chez moi, j'ai encore 2 heures de route. Et là, je réalise que cette dame, au total, va faire 4 heures de route dans la journée, seulement pour venir me voir. Mais quel cadeau, mais vraiment quel cadeau. Alors, on a quand même pris le temps de faire une photo, on a quand même papoté 5 minutes. Elle se reconnaîtra, c'est Chris. Et Chris, je vous envoie un énorme bisou, parce que je sais que vous continuez à me suivre sur les réseaux sociaux et vous êtes une grande lectrice fidèle, alors je vous embrasse très fort. Et merci pour encore ce très beau cadeau. J'étais sur une île en 2015, c'était l'été, c'était en juillet 2015, j'étais avec plein de copains auteurs et je fais ma première rencontre avec du public et c'est animé par une femme qui n'a jamais fait ça, qui n'a jamais fait de rencontre avec un auteur. Donc elle a lu le livre, elle a mis des post-it partout, on présente les oubliés du dimanche. Et je crois qu'on est 4 ou 5 auteurs sur une estrade. Il y a pas mal de gens, il y a pas mal de public. Et dans ce public, il y a mon amie Amélie Andrieux, et qui regarde et qui assiste à cette rencontre. Et c'est un souvenir extrêmement drôle et en même temps terrible, parce que la personne, en voulant bien faire, c'est-à-dire la personne qui animait cette rencontre, qui avait lu mon livre et qui devait le présenter, l'a complètement massacrée. Et je voyais mon amie Amélie qui se décomposait au fur et à mesure que cette femme parlait, en expliquant, en essayant de raconter les oubliés du dimanche, mais en se plantant complètement. Et je la voyais se décomposer dans, dans l'assistance. Et voilà, ça c'est un truc que j'oublierai jamais. Et puis la deuxième chose qui est très importante, c'est en 2016, c'est en mars 2016, c'est à Paris, c'est au Salon du Livre de Paris. On a 1 heure par auteur Albin Michel pour faire nos signatures. Et quand j'arrive, y a la queue. Il y a déjà la queue. Et j'oublierai jamais ça, c'est-à-dire que je vois des gens qui attendent et qui font la queue pour que je leur signe Les Oubliés du Dimanche. Ça fait 1 an qu'il est sorti et c'était bouleversant. Je me souviens que là, parmi eux, il y avait Diane, il y avait Mélusine Huguet et je suis sûre qu'il y avait Juju de la bibliothèque de Juju. Voilà, les premiers, mes premiers amours et qui seront mes amours pour toujours. Voilà, les deux souvenirs très très marquants. Après, il y en a plein plein d'autres. Je vous embrasse. L'anecdote se déroule au Salon du Livre de Limoges, il y a une dizaine d'années, à l'occasion de la sortie de mon premier livre qui s'appelait « La femme du monstre ». Je vois arriver au stand une femme avec sa fille, 18 ans, et elles prennent le livre, reculent de quelque part, et j'entends distinctement la mère dire à sa fille « Regarde, tu vois, le monsieur, c'est lui le monstre ». Donc elle me désignait. Alors la jeune fille plutôt, a peuré, c'est parti en courant. La mère, un peu dépitée, un peu s'excusant, m'a dit « Veuillez pardonner à ma fille, mais c'est vrai qu'elle n'a jamais vu de monstre en vrai. » La dame m'a redonné le livre que j'ai remis sur la pile. Et bon, après, elle a fait une erreur parce que la dédicace d'un monstre, ça vaut cher aujourd'hui. Voilà, dommage madame. Un jour au Salon du Livre de Nancy, j'ai vu arriver un monsieur très âgé avec son petit-fils. Parmi les lecteurs habituels, le monsieur m'a dit « Vous êtes la fille de Christian Fouché ?» J'ai dit « Oui ». Il a relevé sa manche, il m'a montré son numéro de déporté. Et il m'a dit « J'étais en Pologne, votre père était grand, il était fort, il nous a aidés. » Et là, au milieu de tous ces livres, de mes romans bretons, avec des histoires d'amour, des histoires de suspense, des histoires de famille, j'ai vu passer l'ombre de mon père qui est mort quand j'avais 17 ans. En Pologne, au moment de la libération de Varsovie, c'est lui qui s'est occupé de rapatrier tous les déportés civils et militaires des camps nazis situés en Pologne. Et donc, ce monsieur était un tout jeune homme à l'époque, mon père l'a aidé. Il le trouvait grand et fort, sauf que mon père n'est plus là depuis 40 ans. Et ce monsieur était là devant moi, au Salon du Livre de Nancy. Et c'est le plus beau souvenir et le souvenir le plus chamboulant de tous mes salons du livre. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Caroline m'a demandé d'enregistrer une vidéo sur mes meilleurs moments de salon. Il faut que je fasse appel à ma mémoire profonde, parce que des salons, ça fait un petit paquet de temps qu'on n'en a pas eu là. Et ça me manque beaucoup, ces moments
de partage, d'intimité avec les lectrices, les lecteurs, c'est des moments vraiment privilégiés que j'aime beaucoup, moi. Et alors, je voulais juste vous raconter une anecdote qui était rigolote. C'était, j'étais un jour à côté d'une autrice qui était publiée au Mercure de France. Il n'y avait personne dans ce salon, ou des gens qui passaient sans jamais s'arrêter. Et donc, on se sent un peu abandonné. Et puis tout à coup, il y a une femme qui se plante devant son stand et qui a l'air vraiment très très inspirée, et qui appelle son mari et qui lui dit « Roger, Roger, viens, viens !» Et là, je vois ma voisine qui commence à se dire « Enfin, je vais avoir une vraie discussion, quelque chose. Roger, Roger, regarde !» Et elle lui montre la couverture, et lui, c'est exactement ce bleu-là que je voudrais pour la salle de bain. Voilà, il y a heureusement des moments qui sont plus riches, plus intéressants, plus joyeux. Moi, mon prochain roman sort le 3 mars et je prie très fort pour que en avril, en mai, en juin, on puisse aller à la rencontre d'électrices, des lecteurs, des promeneurs, des promeneuses, et puis qu'on puisse avoir tous ces échanges, et toutes ces conversations. Je vous attends et je vous embrasse avec un masque, bien entendu. À bientôt. Quand on m'a demandé une anecdote concernant une dédicace à l'occasion d'un salon du livre, j'ai tout de suite pensé à ce jour de mai 2018, si je ne m'abuse, qui avait vu se tenir le salon Ronissois qui mal y pense, à la FNAC de Rony 2, dont l'organisatrice est Caroline Valla. Ce jour-là, j'étais entre deux signatures. C'était un moment de calme. Je bavardais avec mon voisin du moment, Marc Fernandez, qui était chez Prélude lui aussi d'ailleurs, pour le deuxième volume de sa trilogie. On discutait tranquillement quand au loin est passé un jeune homme d'une trentaine d'années, assez loin de nous. Il traçait sa route tranquillement. Visiblement, il ne savait pas qu'il y avait des séances de dédicace et il se tourne vers nous. Ses yeux tombent sur mon roman et il vient à nous. Et là, très gentiment, comme ça peut arriver à beaucoup d'auteurs, il me dit « Voilà, j'ai beaucoup aimé votre roman, etc. etc. » Moi, je suis très 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 content, très touché. Et il continue à me donner des détails sur lui, mais très honnêtement, j'ai pas retenu grand-chose de ce qu'il m'a dit, ni d'ailleurs de ce que je lui ai répondu, car ce qu'il ignorait, c'est que il était un des personnages du roman. Je m'explique, ce jeune homme, il correspondait trait pour trait à un des personnages du roman tel que je l'avais imaginé. Physiquement, d'un point de vue vestimentaire, dans son style général, dans sa façon de parler, c'était lui. Donc il ne savait pas à quel point j'étais perturbé de rencontrer un de mes personnages, et lui-même ne savait pas qu'il était un des personnages du roman. Voilà, c'est une anecdote où j'ai eu le sentiment d'être dans une nouvelle fantastique, où la barrière entre fiction et réalité était abolie. Voilà, et j'en garde du coup un très bon souvenir.